Merci, bonhomme Jouvence. Je crois que c'est par ici. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait des fleurs d'héliotrope au Bois Joli. Eh si, mais on les appelle surtout des tournesols. Hein? Car ce sont des fleurs qui suivent tous les mouvements du soleil. Oh, Pollux, regarde les fleurs. Oh, les pauvres petites tournesols. Oh, oh, oui, oh. Oh, qu'avez-vous? Oh, nous avons le torticolis. Oh, et ça fait mal? Oh. Il faudrait vous frictionner. Veuillez vous faire des massages, des petites compresses. Non, ce n'est pas la peine. Nous allons mourir. C'est notre loi. Oh, mais pourquoi? Oh, quand un tournesol arrête de regarder le soleil pendant plus d'une heure, il meurt. Il y a longtemps que vous avez ce torticolis? Oh, 57 minutes, 30 secondes exactement. Et dans à peine 3 minutes, nous entrerons en agonie. Vite, Pollux, faisons quelque chose. Ben, je veux bien, moi, mais quoi? Oh, aidez-nous, nous ne voulons pas mourir. Appelons peut-être le bonhomme Jouvence. Il est parti soigner les lilas. Appelons Zébulon, Tournicoton, et il peut les guérir. Zébulon est parti chez le coiffeur pour faire tailler sa moustache. Oh, bien, il ne sert à rien d'appeler la vache Azalée, le lapin Flappy ou l'escargot Amboise. Oh, il ne nous reste plus que nos larmes. Pauvre petit héliotrope, nous vous pleurons avec émotion. Oh, voilà Amboise. Amboise, vite, il faut sauver les tournesols. Mais ce ne sont pas des tournesols, Margotte. Ce sont des bentiépotes. Oh, cet escargot n'a vraiment aucune culture. Les tournesols ont le torticolis. Ils ne peuvent plus se redresser. Dans 2 minutes, ils vont mourir. Oh, ben ça, alors. Sauvez-nous. Oh, j'ai une idée. Moi aussi, j'ai une idée. Ce sont les tournesols qui doivent regarder le soleil. Pourquoi ne serait-ce pas le soleil qui regarderait les petits tournesols? Oh, bah, c'est la même idée. Eh bah, elle doit être drôlement bonne. Mais comment arrêter le soleil? Il ne reste qu'une minute. Sauvez-nous. Je vais mourir. Oh, j'ai une idée. Moi aussi. Oh, oh, Pénélope! Prends ton fil le plus long. Prends le soleil au lasso! Et arrête sa course. Je veux bien, mais pourquoi? Nous t'expliquerons plus tard. Mais oui, douce reine, faisons vite! Bravo! Grâce au fil de Pénélope, il restera là jusqu'à ce que vous soyez guéri. Merci à tous. Nous allons déjà mieux. Oh, ben prenez votre temps. C'est du fil incassable. Margot, sais-tu ce qui m'amuse? Non, Pollux. Eh bien, c'est que maintenant, le pré de la vache, tu sais, le pré d'Azalée, il doit être dans l'ombre. Oh, Pollux. Oh, oh.